Alors bonjour, je m'appelle Lorenz Hagen-Büchley, je suis le directeur de Black Tap Suisse. Actuellement, on a un restaurant Black Tap à Genève, à 6 cours de Rive. On va ouvrir un deuxième courant septembre à Zurich. Donc on a fermé lundi 17 mars, définitivement pendant jusqu'au 31 mars. On était encore ouvert le lundi matin et à 15h, on a décidé de fermer pour nous donner un peu de temps pour réfléchir et pour mettre en place un système qui nous permettrait de rester longtemps ouvert avec le moins de risques possible. Je pense que la fermeture, tout le monde a compris, clairement, qu'on ferme pendant... Quand on a annoncé qu'on fermait, il n'y a pas eu de retour négatif en tout par rapport à cette décision. Quand on a recommencé les livraisons, on a eu beaucoup de messages de « Ouh, c'est ouvert !» On est content de pouvoir se faire livrer un burger à la maison. On a vraiment tout mis en œuvre pour que le client, quand il rentre chez nous, se sente en sécurité. L'objectif, c'était pas au début de forcer nos employés à venir travailler. On a fait une sorte de tournée en appelant tout le monde, en expliquant voilà, qu'est-ce qu'on avait mis en place au niveau des distanciations, au niveau du protocole de travail. Donc c'est clair que quand on a essayé de fermer, la première prise de décision, c'était la sécurité de nos employés et de nos clients. La distanciation sociale qui était le port du masque, la désinfection des mains beaucoup plus régulière, les processus aussi de sécurisation avec les gens de l'extérieur, donc les livraisons, les personnes qui venaient de l'extérieur. Aussi de réfléchir comment communiquer avec nos clients potentiels et quels étaient les moyens aussi de distribuer notre nourriture finalement, d'amener notre nourriture chez nos clients, de collaborer avec notre partenaire Smooth pour trouver comment faire au mieux pour sécuriser tout le monde. Donc c'était vraiment de trouver justement un vrai partenariat et de développer quelque chose de sain et sur le long terme.